Yo tout le monde, avant de commencer ce petit let's play, je tiens à vous préciser que je suis en phase de test au niveau du matériel, donc entre une nouvelle caméra et le micro. Donc du coup, je suis un peu en test, donc des fois ça va être mal cadré, il va manquer des morceaux de vidéo parce que je suis pas encore habitué au niveau de la caméra, au niveau de son temps d'enregistrement ou ni de la capacité. Donc du coup, je vous prie de m'excuser pour certains bugs, pour les images qui vont être peu qualitatives au niveau de la caméra, tout ça. Donc voilà, merci. Yo tout le monde, c'est Robert, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 76. Alors, petite info, il semblerait que j'ai gardé ma partie en fait de la bêta. Ce qui veut dire donc que vous n'avez pas le début, la sortie de l'abri 76 en fait. Donc, que je vous explique brièvement pour ce début de let's play. L'abri 76 se trouve là. Je suis sorti, j'ai crapahuté à travers champ jusqu'ici, je suis arrivé là, donc le camp du superviseur, j'ai un peu traîné là-dedans, je me suis promené là, je suis allé jusqu'ici, j'ai essayé d'aller là, je suis revenu ici, je suis revenu là, je suis revenu ici, je suis descendu jusque là, et c'est à peu près tout. Avec le peu de temps que j'avais pour tout découvrir, j'ai pas pu faire plus que ça. Voilà. Donc, c'est parti. Hop. Bon, tant pis, il y aura le micro en champ. Peut-être essayer de le décaler. Voilà. Et du coup, c'est pareil, la lumière sera pas géniale, j'ai pas de panneau, je suis désolé, j'ai une petite lampe de chevet toute pourrave. On va essayer de faire un petit peu mieux. Hop. Peut-être que si je fais comme ça... Bon, hein, on n'a qu'à dire pour l'instant, ça sera pas mal. Alors, au niveau des quêtes... Donc, principal... Ok, donc les principales, donc c'est départ ultime, donc examiner l'aéroport de Morgantown. Et l'aéroport de Morgantown, il est là. Donc, on va aller là, et puis let's go Marijo. Hein. On va essayer de faire un petit déplacement rapide, histoire de gagner un peu de temps. Ok, alors déjà on arrive, c'est le bordel. Ok... Et pourquoi est-ce que je suis en train de parler dans le jeu là? Hop, je vais devoir couper le chat vocal. Simplement parce que quoi. Vous mourrez de soif. Ok, je souffre de déshydratation. Faut que j'aille boire du coup. Et pour boire, eh ben on va aller dans le ruisseau, tant pis s'il y a des radiations dedans. Mais écoute, eau toxique. Nice quoi, le mec il a rien compris. Continuez à boire jusqu'à rétancher notre soif. V'là les radiations. Ok. J'ai récupéré un peu de toxique au passage. Hein. On verra après plus tard pour la faire bouillir. Puisque dans ce jeu, il est question donc vraiment de survie. Hein. Il faut absolument traiter ces aliments en fait pour avoir. Cette fameuse bonne eau. Donc là, est-ce qu'il est méchant ou est-ce qu'il est gentil? Il nous agresse. Ok, donc là, ouais, clairement, il veut nous agresser, ce gros bâtard. Voilà, le bug. Voilà, déjà, il fermera sa bouche. Ok, fais-moi le malin. Voilà, j'entends un bruit chelou. Imaginez, il explose. Oh, il a explosé le bâtard. Ça aurait pu mal se passer. Hein. Ouais,
Voilà. Ah, mais ils sont plusieurs. Waouh. À couvert. J'ai pas une saloperie de... Alors, attendez. Voilà, on va lui mettre... On va le mettre à mal, même si c'est... Oh là là. J'ai pas du tout bien géré mes munitions, je vous avoue. Putain, mais ça vise à... Tellement à côté, c'est horrible. Mais allez! Il a pas pris de dégâts, là? Quel dommage. Mais gros mollo quoi, costaud hein. Je sais pas exactement où est-ce que qu'est-ce qui me tire dessus et il est où mon cadavre là que j'avais ici. Alors là-dedans, si je me rappelle bien, dans la bêta, il y avait des petits robots un peu partout. Ouais, je pense que c'est des tas de cendres, c'est plus ou moins ceux que j'ai laté quoi. Allez bim. Oh raté. Raté. Alors là il va être important de reculer. Bon. Ouais. Quand il est en mode badaboum là, mieux vaut le laisser tranquille. Alors on va prendre un petit radaway. Hop là, avec un petit steam pack. Parce que ça commençait à devenir un peu la merde. Ah, pour info aussi, hyper important, faut faire hyper gaffe à son poids, c'est vraiment la merde. Hein. C'est vraiment la merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors là, ça a été ouvert, je sais pas du tout si ça l'était avant. On change pas les bonnes habitudes, vous trouvez un truc, et ben on le ramasse. On triera plus tard si c'était utile ou pas, donc là il n'y a rien. J'ai pas vu qu'il y avait un étage. Qu'est-ce qu'on a, Mr. Andy? Là, on a un libérateur. Et sur le toit, je sais pas si on va trouver des choses. What? Oh, alors là, le tir le plus nul du monde. Hein. Ok. Ok, donc là, on a des vertilitaires. Je sais pas du tout ce que. Ah, ok, là, j'ai cargaison, je crois. D'ailleurs, comme ça, quand j'ai spawn, il y avait une cargaison. Hein, quand vous voyez des fumées de nuages comme ça, enfin des fumées de... c'est comme des fumigènes, en fait, c'est des cargaisons. Donc bah, souvent, c'est intéressant ce qu'il y a dedans. Donc autant les ramasser, et je ne l'ai pas fait. Ok. Ça, on est par là. Donc nous, on doit aller par... Hop, ouais, là, par là. J'aimerais bien tomber sur une petite cache en fait avec des munitions, des trucs comme ça, parce que comment vous dire, je suis un peu à walper hein, en munitions, hein, quand on voit ce que j'ai là, c'est pas dingue quoi. Fusil à pompe, oh le fusil à pompe, vous n'avez même pas imaginé comment c'est une tuerie. Ça se trouve il me voulait rien. Hein. On va sortir un petit gun. Ah, tu prends moins le malin. Là, tu prends encore moins le malin. Voilà, boîte. Wouhou! Ça me fait rigoler. Par contre, du coup, je sais pas où il est effacé. Alors, attends, je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Il est passé où? Il a carrément explosé le bordel quoi. Méfiance.
C'est, je sais pas ce que c'est, mais je vais avoir chargé notre petit fusil à pompe. Ok, donc encore des trucs sympathiques. Putain, ça venait d'où? Ça se trouve, il y a une arme de ouf là qui. Enfin, je suis pas fou, ça a attiré. Bon, bah, vas-y, hein. Tant pis. Je sais tellement pas d'où c'est que ça vient. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on doit aller par là. Bon, alors. Ok, donc déjà, il y a du monde. Il y a du monde, il y a des calcinés. Ok, donc. Il y a du monde. Okay. Ça, c'était pas un vrai. Mais c'est un vrai. Bah, allez. Ça, c'est calciné là. Horrible. Horrible. En fait, quand vous passez à côté, après, ils éclatent. Et ils vous mettent des radiations, les bâtards. Donc. Ok, donc là il y en a un là. Il y en a un là-bas. Ça, mon gars. Wow, j'ai encore du mal à viser. Hein. Ok. T'as pas kiffé là. Fusil de chasse. Nice. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? C'était pas mal. Ok, il a fermé sa bouche. Il est mort. Ok, on va pas récupérer tout ce qu'on trouve non plus parce que bon, si je vais choper tous les fusils de chasse du bureau de la région, laisse béton. Alors là, par contre, il doit y avoir sans doute des caches d'armes ou des trucs comme ça avant. Parce que je serais quand même bête de rentrer. C'est bon, de rentrer à l'intérieur sans munitions. Ah, c'est ça dont je vous parlais, il faut éviter. Bon, bon, bon. Il y aurait pas un truc ici, ça serait bien. Non, bon, écoutez, on va voir les tentes vite fait, mais. Ce serait vraiment bien qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Ok. Bon, on va tenter de faire un déverrouillage. J'en ai pas fait beaucoup. Commande coffre fort. Ok. Ok. Bien. C'était tout. Ah, Steampack et Manta. Bon, ça va. Cache racine. Ok. Alors, faut savoir aussi qu'on peut tomber sur sa propre cache. Hein, donc, votre cache, c'est simplement votre atelier où que vous soyez. Et c'est quand même pratique parce qu'en fait, quand vous êtes en surpoids, bah, vous savez pas trop où mettre votre bordel. Bah, voilà. Sans ça, c'est compliqué. D'ailleurs, si je ne m'abuse,
Je vois qu'en bas sur la map, il y a un rail, enfin une espèce de train. Et la dernière fois que j'y suis allé, ça appartenait donc à l'espèce de patrie des Samaritains. Donc les Samaritains, c'est une espèce de faction en fait, qu'on a aidé au tout début, d'ailleurs, pour qui on se bat. Et du coup, j'en ai retrouvé quelques-uns par-ci par-là. On va aider notre copain. Ok, j'ai quasiment aucune balle qui en touché. Voilà, on était être content. Gare de Machin Town. Ok, alors si tout va bien. Ah, parfait, vous voyez, donc la cache, c'est ça. Donc, du cachet, il s'en prend. Donc votre cache, du coup, où vous soyez, n'ayez pas peur de poser tout dedans. Donc là, vous faites simplement un petit transfert, stocker le bric-à-brac. Et voilà, comme ça, on se décharge un peu de tout. C'est pareil après, je veux dire, pour tout ce qui est armes, si c'est pas un favori, vous le jetez dedans. Hein. Bon, on va le mettre dedans, je verrai si je les recycle plus tard ou pas. Parce que pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire. Là, vous voyez, j'ai déjà un fusil de chasse, alors lui... voilà. Tenue, on a ce qu'il faut. Aide, voilà, pour l'instant je garde. Clac, Steam Pack. Et lui, par contre, bah, il vous propose des prix de ouf. Alors, voilà le prix des capsules. Et si vous voulez les vendre, je sais pas, moi, admettons, je vais vendre un Magnum 4. 4 capsules, voilà. C'est carrément un scandale. Donc voilà, ok, ça va un peu de ci, ça va un peu de ça. Ouais, écoutez, pour l'instant, on va pas trop s'y intéresser, on va d'abord essayer de s'améliorer, d'avoir du stuff de meilleure qualité. Donc on va continuer notre mission principale. En allant dans cet aéroport. Oh putain. Tu vois. Oh my god. Oh, ça fait mal. Alors, je rentre avec quelle arme? Fusil de chasse, ça va peut-être être un peu chiant de près. Le pompe, c'est dommage, j'ai pas de machin, mais... enfin pas de munitions. Mais... ouais, je sais pas, je vais prendre le revolver de fortune, je pense, et puis. Puis on verra bien. Ok, alors. Il y a peu de chance. Ok, alors ça mec. Waouh! La balle où elle est partie, quoi! Qu'est-ce que je fais? Voilà, ok, c'est pitoyable. Donc là, il n'y a plus personne. Oh! Des établis d'armure assistée. Ok! C'est peut-être qu'on va réussir à en trouver une ou deux. Je sais pas. Alors, ok, alors là c'est pour sortir, je suppose. Autant ramasser tout ce qu'on trouve. Je suis sûr que ça sera plus utile beaucoup plus tard. Voilà, il pourra peut-être pas y aller, on est pas con. Hein. On entend clairement qu'il y a du monde au-dessus. Ok, on va avoir pas mal de choses à faire à l'intérieur. Piège. Piège tout pourri là, c'est cru. Un rat cafard malade. Ah oui, c'est vrai qu'on peut. J'ai oublié qu'on peut faire un shot deux fois plus.
peut faire un shot deux fois plus puissant si jamais vous avez vous êtes en discrétion. Donc s'il vous voit pas, et bah vous allez lui faire la mal. Ok, donc là c'est attention, c'est-à-dire qu'il sait plus où on est. Voilà, attaque furtive. Ça me fait tellement stresser parce qu'on a l'impression qu'il est juste là. Hein. Alors qu'il est, en fait, c'est parce qu'il est juste au-dessus. Oh là là, oui, 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 je prends, je prends. Ok. C'est juste le début. Ok. Okay, on fait gaffe à pas toucher les calcinés qui sont déjà morts en fait, parce que ça serait un problème. Il vous empoisonne à moitié. Alors, et alors dedans le svav ne ralentit plus le temps, hein, ce qui paraît logique. Par contre il vous permet de faire une meilleure visée. Et bien. Putain, mais. Waouh! Et. Alors, toi, mon gars. Mais c'est incroyable, je suis devant lui! C'était incroyable. J'étais devant lui. J'avais beau tirer, il a pas pris une balle. Bam! Non, mais ok, quand quoi. What? Voilà. Ça c'était un beau shoot ça. Ça c'était un beau petit shoot. Vraiment pas piqué des hannetons. Je vois une porte. Est-ce que tu crois que le mec il va m'en vouloir si je passe là? Ah putain, niveau Rocky 1, le vote niveau 0. Nice. Ah, c'est pas grave, hein, on va continuer notre visite et puis c'est tout. Hein, qu'est-ce que je te dis? Pas chialer parce que je peux pas passer. Ok. Bon, là si je l'ai pas quand même, c'est grave. T'es derrière, tu suis de côté. Ah merde, tu étais pas en furtif. Putain, mais sans déconner, mais c'est incroyable, je suis si nul que ça. Putain, mais et, le jeu, à un moment donné, faut qu'il arrête. Hein. Voilà. À un moment donné, faut arrêter de se foutre de moi. Il était là. Ça, ça va même pas rembourser mes capsules, enfin les capsules, les cartouches que j'utilisais. Wow, ah oui, d'accord. Cher de rat de cafard, eh, c'est pas grave, hein. On va s'en faire un steak. Bon, pour le moment, j'en vois pas d'autres de type, mais méfions-nous. Il pourrait sortir de n'importe où. L'ami. Mais... Ok. C'était pas génial, mais... Ah bah non, je me méfie, on sait jamais. Je me dis que je pourrais retrouver... Oh, nice. Des rats de cafards un peu partout. De la mora, de la casserole, allez, vas-y, c'est pas un distincteur, allez. Des capsules, marteau à panne ronde, ça c'était bien ça, une tasse à café, on prend aussi. Et là, mission pour Abigail.
Tani, je suis bien consciente que les montagnes sont très dangereuses. Nous devons vérifier la situation auprès des états libres. Les fermiers sont vraiment inquiets après cette diffusion de la confrérie de l'acier. Ils trouvent quelqu'un qui puisse rejoindre le bunker d'Abigail après le RR Megastop. Il faut lui demander. Défiance est bien le QG de la confrérie. Est-ce que tout le monde va bien? Qu'est-ce qui se prépare? Est-ce que tout va bien là-bas? Ok. Je sais que la confrérie ne s'est pas fait que des amis récemment, mais toute cette histoire est très perturbante, Maria. Ok. Ben, j'espère que ça enregistrera, parce que le jour où on va y arriver, je suis pas certain de m'en rappeler. Pas certain du tout. Ok, alors en soi, je sais tellement pas où je dois aller. Ah, une humaine là, et je pense que c'est ça qu'on devait prendre ou ça. Journal okay. Du superviseur Morgantown. J'adorais venir ici le week-end. Okay. J'ai jamais terminé mon brevet de pilotage. Qui aurait cru que l'aérodrome se transformerait en dernier bastion. De quoi sont morts tous ces gens? Cette maladie, cette infection calcinée, elle est partout. Elle touche tout. Les humains, les animaux. Et quoi d'autre? Je ne sais pas comment combattre ce fléau. Mais nous devons étudier toutes les options. Même les missiles. Ces silos sont peut-être notre seule arme. Une sorte d'infection. Les gens deviennent fous. Elle est transmise par une espèce d'énorme animal, la sulfurie. Et si les malades restent trop longtemps dans cet état, ils finissent par brûler vif. Une sorte de combustion instantanée. Les yeux à l'envers. Mais chaque chose en son temps. La maladie ne doit pas nous attaquer. On dirait que les Samaritains étaient en train de développer une sorte de vaccin. Je vais reprendre là où ils se sont arrêtés. Et vous devriez faire de même. C'était votre superviseur. Terminé. Nous devons détecter la source de cette maladie et l'éradiquer avant qu'elle ne se propage en dehors des Appalaches. Ok. On en sait maintenant un peu plus. Mais chaque chose en son temps. La maladie ne doit pas nous contaminer. On dirait que les Samaritains étaient en train de développer une sorte de vaccin. Bah, j'ai dit ça. Je vais reprendre là où ils se sont arrêtés, et vous devriez faire de même. C'était votre superviseur. Terminé. Très bien. Non, mais d'accord. Ok. Ouh, j'allais pas prendre ce truc-là. Petite cartouche. Ok. C'est marrant qu'il tombe. Hein? J'ai entendu un truc s'ouvrir. Bon, bah non. Ok, donc, sont les quêtes là. Donnez. Très bien. Apprenez-en plus sur le projet inoculation, d'accord. Et alors, c'est quoi le projet Ah, d'accord. Alors, ça peut-être, Morgantown, ça peut-être ça. Et donc, à partir d'ici, bug de la caméra, donc du coup, plus d'images, et donc forcément, bah, plus de son de la voix, puisque je n'ai pas paramétré mon micro par défaut pour qu'il enregistre à la place. La seule chose que vous avez loupé, c'est simplement que donc je trouve un petit ordinateur sur lequel donc il fallait découvrir des choses, et mettre donc fin à la première quête principale dont j'étais en cours. Suite à cela, donc, on va être amené à aller ailleurs, donc chose qu'on va faire tout de suite après, dans le second épisode. Désolé pour ce petit contretemps, et voilà. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde, kiss.